d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons pour aller au SVA de Nantes, Corcouët. Et donc, du coup, on quitte notre région d'Auvergne. On y va tranquillement. On n'est pas pressé. On a un autre arrêt avant à faire. Et en fait, il fait un temps magnifique. On a presque 28. Hein. C'est cool. Ouais, hein. C'est ça, ouais, dans les 20. Ouais, 28. Oh là là, 28, c'est ça. Hein. Ouais. Ah, c'est trop chouette. C'est une journée d'été. On sait que la semaine prochaine, ça va se refroidir. Mais là, on en profite. Hein. C'est pour ça qu'on part un peu plus tôt pour pouvoir profiter de ce beau temps. On se croirait dans le sud du Maroc, là, de haut. Ouais. Ah, ça fait du bien. Oh là là. Bon, bah, les amis, on vous reprendra plus tard. Sur la route du SVA, nous ferons un arrêt de 3 jours à Blaye où nous rendrons visite à un de nos enfants et profiterons du petit nouveau-né. C'était vraiment un pur bonheur. Nous bivouaquerons dans la citadelle de Blaye. Le camping municipal ouvre ses portes à partir du 15 avril. Nous avons eu la chance d'avoir été tout seuls sur ce site classé au patrimoine de l'UNESCO. Nous avons déambulé au gré de nos envies, découvert ses remparts, ses ruelles étroites et ses petites échoppes. Retour de nuit sous la pluie, après avoir dîné avec les enfants. Nous quittons ce lieu insolite que nous vous recommandons fortement si vous faites une étape à Blaye. Un camping hors du commun, bien délimité, une propreté irréprochable au sein de la citadelle. Merci à la responsable pour son accueil, sa convivialité et sa gentillesse. Ben voilà, nous sommes arrivés donc pour le salon à Corcouët-sur-Blogne. Nous sommes sur la file d'attente, on va nous placer. Et ben, nous sommes dans la partie voyageurs. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à voir. On va se régaler. 3 jours super. Voilà. Édition du Salon du véhicule d'aventure. Il est à l'origine l'œuvre d'un Nantais, Jackie Collin, qui a beaucoup baroudé dans la brousse africaine au volant de son 4x4 Toyota. En croisant des familles d'aventuriers sur son chemin, il a conservé les coordonnées de chacune en les invitant à venir participer à un énorme barbecue. Face à ce grand nombre de convives, Jackie Collin a organisé un grand rassemblement d'aventuriers comme lui
C'est comme cela qu'est né le SVA. Suivez-moi. Il y a beaucoup de véhicules en vente en fait. Oui, je reverrai, mais après il faut quand même expliquer rapidement comment ça marche, parce que c'est vraiment détaillé. Il y a des jolies choses hein, quand même. Il y a des super camions aussi, on vous les montrera un peu plus tard. Comprendre les. Celui-là, il est magnifique. Trop chouette, hein, celui-là. Regarde les véhicules, là, le... Il est super beau. Super véhicule, là. Ouais. Viens là, dépêche-toi. Il est bien. On les donne. Il est bien, vous voyez, c'est gratuit. Oh, regarde un peu la cuisine. Ça, c'est top 2 top. Avec la petite cafetière, mais c'est pas une Nespresso. Hein. Non, mais là, c'est trop chouette. On vous présente les cellules Touareg. Vincent est concepteur de véhicules de loisirs pour camping-car sur mesure, standard, les 4x4, les pick-up, les tout-terrains, et ils sont implantés au cœur de l'Ardèche. On trouvera sur le salon des concessionnaires, des préparateurs équipementiers, des aménageurs de cellules habitables, des préparateurs de véhicules de voyage, accessoiristes, restaurateurs et plein d'autres belles découvertes. Nous vous présentons la société Max Concept. C'est un jeune Suisse basé à Lausanne. Il conçoit de l'aménagement de vannes habitables avec un concept de cube fabriqué en Espagne. Il est très très bien conçu comme un vrai petit studio. Petite roulotte. Petit couchage. Petit kit cuisine. Petit frigo. Pas mal du tout tout ça. Voilà, pour 24 000 euros.
l'assurance, alors il faut bien l'assurance. Il y a tous les aménagements en bois aussi là-bas pour les vannes. C'est intéressant de voir les possibilités d'aménagement. Et voici Ed Elliott. Ils ont pour but de renverser le monde des toilettes et de développer des solutions innovantes. Là, on se retrouve sur une petite caravane avec des slides. Par contre, je ne sais pas comment on peut voyager, c'est assez lourd quand même. C'est quand même balèze. Attracté, ouais. Et du coup, ouais, il y a deux slides impressionnants quand même. Hein. Waouh, c'est énorme. Twilight, c'est nature. J'ai l'impression que c'est américain hein, parce que il y a eu. Oui, c'est sa caravane américaine. Voilà. Non homologué en France. Alors là, les amis, c'est vraiment très chouette. C'est deux frères en road trip avec leurs deux chevaux qui se nomment Cocotte. Ils ont illustré tout leur voyage à travers une bande dessinée. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment facile à lire. Je vous invite à acheter leur ouvrage et ça s'appelle Rodéo en deux chevaux. Allez, on escalade. Ouais. Alors tu m'emmènes où maintenant? Les devs là-bas, on va aller voir aussi. On trouve de tout sur ce salon. Hein. On va croiser sur notre chemin des passionnés de modélisme. Ils vont parcourir tout le salon accompagnés de leur véhicule télécommandé. Génial. Voici la conception ResMobile sur un Sprinter 4x4. Ils vont proposer à leurs clients 8 agencements au choix, puis celui-ci peut le personnaliser par le décor du mobilier, l'essence des boiseries, la teinte, la nature de la sellerie et les options de son choix. Franchement, c'est vraiment une très belle prestation. Moi, j'ai adoré. On vous présente les tout au bout, nos copains. Ils préparent leur Bodef avec une cellule Globe Camper 360. Le véhicule est à vendre, vous pouvez les joindre sur leur Instagram, tout au bout. Nous avons passé de très bons moments avec toutes les personnes qui nous suivent dans nos aventures. C'était de très belles rencontres. Nous avons même eu un matin le droit au café et croissant, pain chocolat à domicile. Merci les amis, ils se reconnaîtront. Franchement, vous êtes tous adorables et nous sommes contents de toute cette belle communauté. On vous embrasse. Joli camion Iveco à vendre. J'adore la couleur aussi de celui-ci.
Un beau défilé d'anciens Mercedes 4x4. Nous étions derrière eux en allant au SVA. Il y avait un très beau convoi, tous les trois, plus un gros camion et ben, toute l'équipe aussi. Franchement, c'était superbe. On vous présente Diligence Van. C'est un aménageur de fourgons sur mesure et haut de gamme. Ils sont basés en Gironde à Beautiran. Ils travaillent sur des Iveco Daily 4x4 et des Mercedes Sprinter 4x4. À l'origine de cette société, on trouvera deux amis, Anthony qui est gestionnaire de projet dans l'univers du van aménagé et Romain, ébéniste dans l'aéronautique de luxe. Et le résultat de l'association de ces deux savoir-faire nous donne au final des vans de grand luxe, de toute beauté. On vous laisse visionner ce résultat. Puis nous avons eu la chance d'échanger avec Julia, qui est gestionnaire administrative et commerciale, qui nous a gentiment autorisé de filmer ces deux vannes absolument superbes, appartenant à leurs clients exposants sur le salon. Petit moment, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui nous attendent à notre stand. Mais voilà, on s'échappe. Petit stand de Cogny. Un gros stand. Skep. Accessoires transporteur, sprinter. Thank you.
Nous avons fait une belle découverte, Nomad Way Création. C'est une menuisière qui agence votre véhicule en véritable cocon roulant avec des produits naturels comme le liège projeté, le bois et bien d'autres matériaux. Et chacun de ces aménagements sont modulables pour s'adapter à la taille de votre van. Je vous invite à vous rendre sur son site pour découvrir ses réalisations. Nomad Way Création. Une autre belle découverte, Liz Walls, romancière qui a voyagé avec son compagnon en van aménagé à travers l'Amérique du Nord et ce pendant 10 ans.